Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur LTU Radio pour l'émission À demain, vers demain, l'émission des thérapeutes ou des personnes qui s'occupent du bien-être d'autres personnes qui vont peut-être un peu moins bien, on va dire. Voilà, alors ce soir, on va parler de coupeur de feu, de barreur de feu. Voilà ce qu'on peut employer les deux termes, les deux termes sont bons. Voilà, alors pour ce faire, j'ai invité Jean-François, c'est quelqu'un qui m'a été présenté par une copine. Et donc je lui ai demandé s'il voulait bien venir animer, enfin participer à cette émission. Et avant de ce faire, on a discuté deux ou trois fois de ce qu'est un barreur de feu, de ce qu'est un coupeur de feu. Voilà, et il a accepté gentiment de venir nous aider à comprendre un petit peu ce que c'est, en tout cas comment il lui pratique son art, on va dire, ou son don. Voilà. Alors je vous demande d'accueillir Jean-François Bourbon, pardon. Oui. Voilà. Salut Jean-François, comment vas-tu? Bonsoir, que ça va bien. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Merci à ta copine de d'avoir parlé de toi. Oui, exactement. Tu peux parler un petit peu plus fort, parce qu'on t'entend vraiment loin. Bon, ben si je suis loin en plus, voilà, là c'est nickel. tu es en Bretagne et moi je suis en Charente quand même. Voilà, alors pour commencer, il faudrait d'abord savoir ce qu'est un barreur de feu ou un coupeur de feu. Alors, un barreur de feu, bon, il y a plusieurs choses dans le barreur de feu. Déjà, il y a la coupure de feu, donc qui est à la base la brûlure. Donc avec une flamme, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les brûlures avec des gaz, il y a aussi des brûlures avec de la chimiothérapie, les rayons, l'hormonothérapie, tout ça, même si tout n'est pas des brûlures, ça part à la base de la coupure par elle-même, on va dire, de couper tout ce qui est négatif, on va dire. Donc ça n'englobe pas tout quand même, bien sûr, mais on peut faire beaucoup, beaucoup de choses juste en coupant. D'accord, mais couper, ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre la douleur et le ressenti, il y a quelque chose qu'il faut couper, quoi, en fait. Voilà, exactement. Donc moi, si tu veux, comme je procède, c'est une façon mentale. On va aborder en même temps parce que c'est très vaste. Donc ça ne passe pas par des prières ce que je fais. Moi, c'est mental uniquement, et donc ben, je décide de couper la brûlure. Ou de faire une coupure chimio, donc de supprimer ou d'atténuer fortement tous les problèmes qu'engendre une chimio ou les rayons ainsi que l'hormonothérapie. D'accord. Donc, comment dire ça? Tu visualises alors ce que tu fais? Il y a une image qui t'apparaît ou parce que on peut tu dis dire que tu fais pas de prière? Même que j'ai la HD et autres. Non, non, pas du tout. faut démystifier totalement. Exactement, oui. Je décide, donc, si tu veux. Est-ce qu'on l'explique comment je procède? Parce si que, tu bah, veux, si tu c'est veux. Mon, c'est mon procédé et d'autres procèdent différemment, on va dire, bien sûr. Ce qui se passe, si tu veux, c'est que, bah, principalement, je marque sur une feuille ou sur un post-it le prénom de la personne. Je ne me sers pas d'autre chose d'ailleurs, j'ai juste besoin du prénom. Alors, on peut se poser des questions sur pourquoi ça va aller sur la personne qui a besoin et non pas sur une autre personne qui a le même prénom. Bah, pourquoi? Bah, tout simplement parce que ça marche. Voilà. Bah oui, on ne se demande pas comment que ça marche. L'important, c'est que ça marche en fait. C'est le résultat qui est important. Voilà, comme je dis, l'important c'est toujours ce qu'il y a dans la boîte, c'est pas le contenant, c'est le contenu qui compte. C'est clair, donc il faut faire le plus simplement possible. Il est clair qu'on peut se lancer dans plein de choses, d'essayer de visualiser, de ressentir, mais c'est pas spécialement nécessaire, ça dépend des personnes évidemment. Oui. Mais moi, j'ai pas besoin de ça, puis je suis un petit peu feignant, donc je vais pas chercher non plus à ressentir, à visualiser ou quoi que ce soit. D'autant plus que si on ressent, on peut facilement prendre les douleurs de la personne et après s'en débarrasser, c'est pas toujours évident. Donc moi, j'ai préféré limiter mes ressentis, on va dire. J'ai fait volontairement parce que j'ai pris plein de ressentis au début que j'ai mis des fois jusqu'à plusieurs mois à me débarrasser. Donc là, du coup, eh bien non, je fais juste comme ça, je prends le prénom et puis je décide. Pour moi, c'est un acte mental. Simplement, je décide de faire une coupure de feu
sur laquelle après je peux rajouter une coupure de douleur, un effet de froid, une activation, cicatrisation. D'accord. Tout ça, c'est mental. Alors, on va essayer de parler un petit peu de tout ça, donc de cicatrisation, de voilà, comment tu procèdes exactement, parce que c'est pas mal, sans déflorer non plus le principal de ton don, si on peut dire. En même temps, c'est pas top secret, je veux dire, je forme des gens pour ça. Oui. Je forme, c'est un grand mot. Disons que les personnes qui me contactent, qui me demandent, ou autre, je n'hésite pas à leur expliquer comment il faut faire. C'est clair. D'accord. D'accord. Alors, sur quoi ça, donc le barreur de feu peut agir? Alors c'est très très vaste, et puis je m'aperçois que je sais plusieurs choses, même j'expérimente tout le temps, tu vois, ça fait 30 ans que je pratique. J'ai mis pas si longtemps que ça pour admettre que j'étais un vrai barreur de feu, parce que tout le monde peut se prétendre barreur de feu, mais bon, il faut quand même laisser passer un peu d'eau sous les ponts, je veux dire, expérimenter, apprendre, se renseigner, parce que c'est pas facile, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait pas en quelques mois, même si on a des résultats immédiatement, on va dire, pour les débutants. Mm-hmm. Ce qui est important, c'est de travailler énormément tout ça, quand même, et ça met quand même plusieurs années, je pense. Et j'apprends toujours. Et heureusement. Donc, actuellement, si tu veux, eh bien, je fais aussi bien pour l'eczéma, où j'ai eu des résultats. Avant, je ne demandais pas de photos. Et puis, un jour, pour un interview, on m'a demandé des photos. Et puis, bah, je n'avais pas de photos. Donc, j'ai lancé un appel au secours sur Facebook, sur ma page, oui, demandant de trouver des belles brûlures et autres. Et c'est vrai que j'ai vu la photo d'avant et après, même 48 heures après. Et c'est très surprenant. Alors, bon, ça, c'est, je pense, une brûlure de... C'était par rapport à un accident de voiture. C'était l'airbag qui s'était déclenché, le gaz avait brûlé le bras de la personne, c'était une très très grosse brûlure qui n'était vraiment pas belle. Mm-hmm. Et c'était très surprenant, la cicatrisation, enfin, je suis premier surpris, je veux dire. Et là, dernièrement, j'ai fait une coupure de feu sur de l'eczéma, un très gros eczéma de visage, donc d'un adolescent. Et j'ai répondu rapidement, enfin, j'ai pas répondu rapidement, j'ai vu une annonce sur un des groupes que je dirige sur Facebook. Enfin, que j'administre, parce que diriger, c'est pas le bon terme. Non, administrer, c'est mieux. Voilà, j'administre avec un peu de recul, on va dire. Oui. Et puis, comme personne ne répondait, j'ai décidé de le faire. Et puis, j'ai fait très rapidement, comme une coupure de feu, sauf que là, j'ai coupé l'eczéma. C'est les termes. Et rapidement, le lendemain, une nouvelle photo, c'est pas des plaies, évidemment, c'est l'eczéma, ça séchait, ça se voyait visiblement. 48 heures après, il n'y avait plus rien. Et c'est très surprenant. Donc, on peut, avec une coupure de feu, toujours dans le même principe, couper l'eczéma, par exemple. Après, on peut couper les douleurs. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, on va dire. On peut couper des inflammations. De là à dire que ça résout tout, ce n'est pas le cas. Hein. C'est vraiment au cas par cas. D'accord. Mais c'est quand même surprenant que... là, ce que tu nous racontes, c'est en fait c'est à distance, parce que tu es basé par rapport à ton forum. Oui, je dirais 90-95%, c'est à distance. Après, j'ai quelques personnes qui viennent à la maison ou que j'avais voir en coupure chimio. Sincèrement, je préfère, hein, parce que on a un contact différent. Ouais. Le souci. Entre parenthèses de Facebook, c'est qu'on rencontre des gens qui viennent comme s'ils venaient au champ à l'accueil ou aux réclamations, disant voilà, bonjour, il me faut ci, il me faut ça, voilà. Ouais. Donc c'est un peu différent. Et à côté de ça, on trouve des gens formidables. J'ai même beaucoup appris par certaines personnes sur Facebook, parce qu'il y a quand même de vrais champions dans les coupures, dont j'en ai un qui est Jean-Charles, qui m'a beaucoup appris. Enfin, ça fait partie des personnes qui m'expliquent. Qui ne donne pas de cours, qui donne la direction, on va dire, tout simplement. C'est ce qu'il faut faire, d'ailleurs. Quand on explique à des personnes comment il faut faire, il faut leur donner la direction. Il ne faut pas dire « moi je », parce que ce n'est pas bien, c'est l'ego, et il ne faut pas se servir de l'ego quand on fait ça. Oui, alors on va déjà faire une petite pause au niveau des participants, les personnes qui ont laissé des petits messages sur le site, sur LTU Radio. Donc, on commence avec Laurence. Bonsoir à tous. Belle soirée sur un sujet très intéressant. J'ai hâte. Après, on a Béa.
bonsoir à tous. Après, on a quelqu'un que tu connais, qui me connaît aussi et qui nous a, je crois, mis en relation. C'est Sylvie. Hello tout le monde, mes chouchous. Hello les JF, Dupont. C'est vrai qu'on a un peu les Dupont et Dupont ce soir de Tintin. Hein. Avec de plein de sourires et bisous de la copine, voilà. C'est sympa, merci à elle. Après, on a quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, Cataclic. Bonjour monsieur Bourbon. Bourbon, je vais y arriver. Et à tous les auditeurs. En fait, Cata, c'est B-O-U-R-B-O-N. Voilà, c'est ouais, parce que l'ami ça... monsieur Bourbon et moi comme un ben joli en fait. Et puis je fais la bourde. C'est comme la bouteille de whisky. Voilà. Bon. Alors, faut-il juste avoir... Là, c'est une question qu'elle te pose. Hein. Oui. Faut-il juste avoir une intention positive et morale pour que la coupure fonctionne? Oui, je pense. C'est-à-dire que c'est un engagement. C'est-à-dire que quand on fait une coupure, on ne se dit pas « je vais essayer ». Surtout pas. C'est comme une compétition, on va dire. Mais la compétition pour gagner, parce qu'on n'a pas le choix. Il faut le faire. Donc, quand il y a une coupure, je le fais. Voilà. Et je ne suis pas le seul. Hein. On fait tous les coupeurs de feu, je veux dire, si je peux me permettre de parler pour les autres, ou pour une partie des autres, tout au moins. C'est on fait, parce qu'on doit pas le, on n'a pas le choix, on doit faire cette coupure, parce qu'on nous la demande, et on ne se pose pas de questions, il faut la faire. Voilà. Ça s'arrête là. À partir de là, après, on va contrôler. Est-ce que je l'ai réussi? Oui, non. On contrôle ça au pendule. Enfin, dans mon cas, je contrôle ça au pendule. Alors, il y a plusieurs techniques pour le pendule, on peut en parler après. Oui, on va en parler. Pour que ce soit plus rapide, on va dire, que le pendule conventionnel avec la petite chaînette. Mais je regarde, est-ce que je dois continuer? Oui, non. Est-ce que je dois faire un effet de froid? Est-ce que je dois faire une activation cicatrisation? Voilà. Est-ce que je dois couper la douleur? Voilà, je procède comme ça. D'accord. Et en même temps, quand tu dis « je vais faire, je vais pas essayer », moi, ça me fait penser forcément à quelqu'un qui me propose de monter en voiture et qui me dit comme ça « je vais essayer de prendre le virage ». Moi, je monte pas avec cette personne-là hein, parce que je me dis « j'ai une chance sur deux de me casser la figure avec lui ». Quoi. C'est ça, exactement. Là, on le fait. Alors, ce qui n'empêche pas qu'un coupeur de feu débutant va le faire, on va dire. Mais sur mon groupe, c'est ton groupe. Non, c'est pas présomptueux. Hein. Sur le groupe dévoreur de feu, on va dire, j'ai un autre ami administrateur qui est Jean-Guy. Et les personnes qui veulent, qui ont cette capacité-là, je ne parle pas de don, je parle de capacité, comme on peut jouer au tennis, comme il y en a qui sont doués pour le sport, il y en a d'autres qui sont doués pour le chant, il y en a d'autres qui... Voilà. Donc, ben, nous, on est un peu plus doué pour ça, on va dire. Même la personne qui n'est pas douée peut arriver à un certain niveau, malgré tout. La personne, donc, va faire une coupure et nous, derrière, on va contrôler, simplement. Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce qu'il faut rajouter ceci ou cela? Voilà. Mm-hmm. Et très rapidement, la personne et le coupeur de feu devient autonome. Mais on est quand même loin de, des grands-mères d'antan qui récitaient une petite prière et qu'on se transmettait de personne à personne, quoi, souvent de mère en fille ou de père en fils, voire d'amis ou quelqu'un qui était quelque part élu par la personne, voilà quoi. Ça n'empêche pas que ça fonctionne parfaitement, hein. ce don, cette transmission de génération en génération. Mais malgré tout, pour moi, mais ce n'est que mon avis, bien sûr, ce n'est pas l'avis de tout le monde, mais c'est mon avis que je vais donner. Pour moi, c'est uniquement une question de décision, de mental. Mmh. Certains ont besoin de prière, certains ont besoin de se recueillir avant, de faire plein de choses avant, de mettre des bougies, de l'encens, etc. Oui. Et bon, voilà. C'est pas obligé tout ça. C'est sans nos propres conventions mentales qui nous obligent à faire ça. Moi, la mienne, je le fais. Je fais ma coupure. Voilà. Je contrôle derrière. C'est bon. OK. Voilà. Et c'est très rapide. Oui. Voilà. Alors, sur quoi le barreur de feu peut agir? Enfin, qu'est-ce qui marche le mieux, en fait? Hormis les brûlures, bien sûr. Hein. Écoute, ce qui est très marrant, enfin, dans mon cas, ce que j'ai aperçu le plus frappant, on va dire, c'est les coupures d'eczéma, comme je t'ai évoqué tout à l'heure. Oui, on en a parlé un peu, oui. C'est vrai que l'eczéma, bon, je ne vais pas passer les photos là, elles ne sont pas floutées ni rien,
de la personne. Je n'ai pas demandé autorisation, donc je ne vais pas les diffuser. Mais c'est vrai que c'était un visage d'adolescent qui était recouvert de boutons. Et d'une manière assez énorme, quoi, quand même. Dire, comme on disait à l'époque, quand on était au collège. On appelait ça les ordinateurs. Voilà, c'est ça. Et 48 heures après, il n'y avait plus rien. La peau était considérée comme une peau de bébé. Ça, c'est vraiment surprenant. C'est ce qui m'épate le plus. La rapidité sur l'eczéma, ouais, c'est très impressionnant. Alors, je ne dis pas que ça va le faire systématiquement sur chaque personne, hein, parce que sinon, on va s'appeler Jésus et on va marcher sur l'eau. Hein. Mais oui, et puis tu auras la queue à la maison et bonjour. il faut garder les pieds sur terre, hein, c'est clair, toujours. Mais c'est vrai que ça, vraiment, ça marche très très bien. Alors, c'est vrai qu'aussi, malgré tout, pour revenir sur les brûlures, la cicatrisation, la rapidité de la cicatrisation, oui, c'est très très surprenant aussi. Il y a ça. Après, on peut faire aussi des coupures sur plein de choses, sur l'hormonothérapie, donc qui est le stade au-dessus de la chimiothérapie, si je ne dis pas de bêtises, hein, qui est donc une très très grosse chimio. Et on arrive à faire partir les douleurs que les personnes ont dans le corps en permanence. Et ça, oui, c'est quand même quelque chose de bien. J'ai pas bien compris le nom que tu as donné, l'hormiothérapie. J'ai pas compris très bien. Oui, c'est vrai que comme j'ai un très très gros rhume, d'ailleurs, il a regardé la photo, j'ai des poches sous les yeux. Tu pars en voyage. Ouais. J'ai une grosse voix de nounours. Là, et l'hormonothérapie, oui, qui est une forme de chimio. Alors, il y a peut-être des personnes qui nous confirmeront tout ça. Oui. Alors, il est vrai qu'aussi, si tu veux, je ne cherche pas trop à approfondir ce qui est une hormonothérapie, une chimiothérapie, la brûlure, ceci. Non, mais c'est pas le but de l'émission, c'est pas non plus d'aller en profondeur dans toutes les pathologies, on va dire. Mais, non, mais je suis bien d'accord. Voilà. Mais en même temps, si tu veux, c'est parce que je veux pas me faire de barrière mentale. D'accord. C'est-à-dire que sinon, je peux éventuellement me dire, oh là, ça, c'est trop compliqué ou c'est pas possible de pouvoir faire ça. Et tandis que là, si on te dit un truc, un terme que tu ne cherches pas à aller voir sur Internet ce que c'est, tu fais ta coupure et il y a des grandes chances que ça fonctionne. Tu sais, il y a une belle phrase qui dit comme ça, c'est parce qu'ils ne le savaient pas qu'ils l'ont fait. C'est un peu ça. C'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait. Exactement. Voilà. Tu sais qu'il y a des choses comme ça que... je pense à une personne à laquelle j'ai fait ces coupures-là, d'hormonothérapie, de bouffées de chaleur aussi, on n'en a pas parlé. Mais je ne savais pas, effectivement. Enfin oui, je ne savais pas et je l'ai fait, donc ben, ça marchait. Mais c'est... En fait, il suffit de vouloir, de le penser pour le créer, en fait. Exactement. Et c'est vrai que en tant que coupeur ou de guérisseur, enfin tout dépend du terme que l'on va dire, hein, de magnétiseur ou autre, c'est vrai qu'il ne faut pas... Il faut pas s'arrêter à la maladie par elle-même, sinon on ne peut pas faire les choses. Parce qu'on se dit que ce n'est pas possible, on ne peut pas le faire. Mais malgré tout, bah oui, seulement ça marche. Ça marche, il ne faut pas se bloquer. D'accord. Et sur quoi ça ne peut pas agir alors? Parce qu'on a parlé sur ce que ça pouvait agir, mais on ne dit pas sur quoi le barreur de feu ne peut pas avoir d'effet en fait. Écoute, sincèrement, ça peut ne pas agir sur certaines personnes, ce qui est quand même très très rare. Alors que sur d'autres, pour la même pathologie, ça va fonctionner. C'est clair. Tu vois, je reviens à la chimiothérapie, à l'hormonothérapie ou à la radio, ce qui est quand même, je dirais, bien au-dessus d'une coupure basique de feu. Ça peut être beaucoup plus compliqué à faire parce que suivant la personne, suivant le dosage, c'est pas la même chose, tout simplement. Alors, il y a Cataclic qui dit comme ça... Alors, anti-hormonothérapie, il s'agit de couper les hormones qui nourrissent certains cancers hormonodépendants. Oui, mais là, ça s'appelle hormonothérapie. Alors, je n'ai pas entendu parler du terme anti, hein, mais ça revient à ça, de toute façon. Hein. Mais c'est quelque chose de très, très costaud. Hein, donc, il y a beaucoup de malades qui hésitent à le faire après les séances de chimio et autres, parce que elles savent que c'est quelque chose de très difficile à supporter. Mais c'est quoi ça exactement? C'est quelque chose qu'on va pratiquer juste quand il n'y a plus rien de possible? Quand c'est vraiment... Non, du tout. Hein, c'est pour finir de guérir, tout simplement. D'accord. Après, la chimiothérapie, hein. Évidemment, ce sont des choses qui font du mal à l'organisme. La chimiothérapie, les rayons, il ne faut pas se leurrer. Mais par contre, il n'y a quand même que ça
pour guérir du cancer à l'heure actuelle, donc il faut le faire, c'est clair. D'accord. Et d'ailleurs, on va parler d'une chose, c'est que faire des coupures, radio, rayons et autres, il faut toujours, je veux dire, on va faire ça toujours avec, il faut que ce soit suivi aussi par les médecins, je veux dire. Il ne faut pas que les personnes abandonnent ni quoi que ce soit. Ça, c'est clair, ça, on le répète. Ce que l'on fait, il faut toujours, avant tout, une consultation, les médecins, même des coupures de feu. Donc, on peut faire des coupures de feu, mais ce qui n'empêche pas, il y a des médecins, ils sont là pour ça, je veux dire. On n'est pas là pour se substituer aux médecins. C'est clair, et il faut le rappeler à chaque fois parce que... voilà, on peut travailler. En fait, le barreur de feu, le magnétiseur ou autre, bah, peut travailler en symbiose avec un docteur. Souvent même, c'est le docteur qui va diriger vers le magnétiseur, mais sans se substituer à la médecine forcément, quoi. Complètement. Alors, il est vrai que moi, si tu veux, les personnes qui me contactent et qui disent je refuse la chimiothérapie ou autre. Je ne veux pas m'engager. Je peux leur faire partir la douleur, évidemment, mais ça ne solutionne pas pour un temps. Ça a solutionné pour un temps duré, pas indéterminé, je veux dire. Mais non, il ne faut pas. Je veux dire, il y a des médecins et il faut passer par eux avant tout. D'accord. On est là pour aider en plus. D'accord. Soulager, mais c'est tout. Mais alors, le barreur de feu peut avoir accès ou peut agir sur n'importe quel, on va dire, cancer. On va pas dire qu'on va guérir le cancer, mais au moins on va soulager, ou il y aura quand même des actions bénéfiques. Oui, tout à fait. Tout à fait. La majorité des gens, de toute façon, ont au moins provoque des brûlures, ça leur provoque des diarrhées, des décharges électriques dans les pieds, et plein de choses, je veux dire, de la fatigue, déprime et autres. Et oui, on peut agir là-dessus, c'est clair. D'accord. Donc, il y a Kata qui me met comme ça, que ça crée des grosses douleurs. Je parle de l'hormonothérapie, comme tu parlais tout à l'heure, qui crée de grosses douleurs articulaires pour les femmes, dû à ce traitement, en fait. Voilà, avoir les membres qui peuvent se mettre à gonfler, à doubler, voire plus, suivant les cas. Mais ça, on peut. Mais je dis pas, j'ai pas la prétention de le dire, ça marche à 100%. Non. On reste humain et on fait du mieux qu'on peut. Voilà. Ce que je voulais demander par là, c'est... Ah bah tiens, il y a Cindy qui arrive, il y a Hélène aussi. Alors, on va lire les messages. Après, on fera une petite coupure musicale. Alors, Hélène, témoignage intéressant. Il m'est arrivé de couper le feu, notamment à mes neveux, qui sont bien heureux d'avoir une tatate comme moi. Bonne soirée. C'est gentil. Alors, après, on a Cindy. J'arrive sur la pointe des pieds avec du retard. Bonsoir à tous, un petit cœur. Petite question personnelle. Depuis 4 mois, quand je me brûle, je me suis rendu compte que je n'avais pas de plaie. Je me suis éclaboussé avec de l'huile, du caramel et des poils chaudes. Je suis une catastrophe. Oui, entre parenthèses. Je pense qu'il faut rater la cuisine. il faut rater la cuisine, oui, je crois. Alors, je me surprends à dire sur le coup, même pas mal. Je sens la douleur monter et on dirait qu'elle se bloque d'un coup. Je me retrouve avec une petite rougeur qui passe rapidement. Serait-ce possible que je puisse couper le feu? Merci et un petit cœur. Voilà. Visiblement, oui. Parce que ce qu'elle fait, c'est une coupure mentale, inconsciemment, c'est une coupure mentale, ça ne peut que fonctionner. Après, c'est comme pour jouer au tennis, on va y revenir, pour envoyer la balle de l'autre côté, du camp, on va dire, il y en a qui sont doués, donc ça va aller très très bien, facilement. Et pour les autres, il va falloir beaucoup plus travailler. Ça, jouer à l'instrument de musique, c'est la même chose, je veux dire, il y en a qui sont doués aussi, et puis les autres... J'ai joué de la guitare pendant des années, j'ai cassé les oreilles à beaucoup de monde. Et les cordes. Souvent, quand on casse les oreilles, on casse aussi les cordes. Non, j'ai un très bon ampli. Après, on a Béa. Je confirme tous les dires de Jeff en ce qui concerne les coupures pendant la chimio. C'est pas mes dires à moi, Béa. C'est Kata qui m'a suggéré de poser cette question. Donc, je l'ai fait, tout simplement. Voilà. Alors, on va se marquer une première pause musicale. J'invite les auditrices et auditeurs à laisser les petits messages sur la boîte de dialogue
sur ltu-radio.fr. Et on se retrouve juste après Cœur de Pirate. Et c'est Mistral gagnant la célèbre chanson donc de Renaud. Parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Renaud aussi, et cette chanson particulièrement. Voilà, à tout de suite. À tout de suite. Merci. Voilà, c'était donc Renaud, une chanson de Renaud interprétée par Cœur de Pirate. Et donc on retrouve Jean-François Bourbon, là cette fois-ci je le dis bien. Voilà. Et l'émission sur les barreurs de feu. Voilà. Alors j'ai d'autres messages qui sont arrivés, donc il va falloir que je les lise. Alors, en premier, il y a Béa. Pardon, quand j'ai dit Jeff, c'était Jean-François Bourbon. Les coupeurs ont un effet réel sur les brûlures et douleurs chimio. Voilà. Alors, il y a Cindy qui te répond comme ça gentiment. Je peux pas arrêter la cuisine. Lol, j'ai des enfants à nourrir. Hihihi, et bisous. Voilà. Alors, c'est bien de remettre un petit peu d'humour aussi. Irène, magnifique chanson. Bonne soirée à vous tous. Merci pour tout, Jeff et Jeff. Parce qu'en fait, on est deux Jeff. Hein. J'imagine qu'on t'appelle comme ça aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, on va continuer notre petit jeu de questions sur les barreurs de feu. Alors, comment qu'on peut savoir, être sûr qu'on est barreur de feu, que est-ce qu'il y a des tests à faire ou des choses comme ça qui pourraient nous mettre sur la voie, si on peut dire? Oui, le truc le plus simple, évidemment, c'est l'été, un coup de soleil, et puis à partir de là, bon, on voit ce que ça donne. C'est vrai que c'est la petite brûlure de base, on va dire, donc c'est vrai que c'est bien expérimenté. Mais là, la saison vient de passer, quand même. Oui, ce serait plutôt des... Quoi qu'on peut être, on peut être brûlé par le froid aussi. Hein. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ça voilà. Fait aussi mal, voire plus vite. Et oui, quand on voit les engelures, puis que et les doigts qu'on est obligé de couper parce que justement, ils sont trop brûlés par le froid. J'ai pas travaillé sur des grosses brûlures de froid où on est obligé d'amputer les doigts, par exemple. Ça serait très intéressant, d'ailleurs, parce que je pense que là, il faudrait faire une activation de la circulation du sang. Oui. Parce que, mais bon, il faut que je travaille avec un esquimau, évidemment. Donc, je n'en ai pas. J'avais eu, justement, à ce propos, j'étais super content parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer Madame Riffard, qui est maintenant décédée, qui est partie de l'autre côté, et elle m'a donné justement ce dont tu viens de parler, la coupure, la prière pour faire circuler le sang quand le sang s'arrête. D'accord. En fait, et la prière pour arrêter le sang quand le sang coule abondamment. Bon, ben écoute, je vais négocier, tu me donneras ça tout à l'heure. Mais voilà, c'est Madame Riffard qui m'a offert ça et j'étais super content, quoi. Ça voulait dire qu'elle me faisait confiance, en fait. Oui, et c'est vrai que dans notre chemin de vie, on rencontre des personnes qui ne sont pas là par hasard. C'est-à-dire qu'une personne qui s'intéresse à ça, d'une manière ou d'une autre, va rencontrer une personne qui va lui expliquer comment faire. D'une manière ou d'une autre, on a des rencontres qui nous apportent énormément. Je sais pas, j'imagine que toi aussi, c'était le cas. Ah oui, oui. Moi, j'ai rencontré des guides terrestres. Je les appelle terrestres parce qu'ils sont bien incarnés, ils sont bien là, hein. Ils ont les pieds bien dans le sol. Et ces personnes-là m'ont vraiment porté, on va dire. Ça, c'est clair que quand on est prêt, sans nécessairement faire la demande, quand on est prêt, de toute façon, on va rencontrer une personne. C'est clair, c'est obligé. On dit que tout vient à soi quand on est prêt. C'est exactement ça, malgré tout. Voilà. Et, c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu plusieurs personnes qui ont été très importantes, ce qui m'ont permis d'arriver à faire ce que je fais aujourd'hui, hein, tout simplement. Parce qu'évidemment, ça ne se fait pas... Un barreur de feu, pour une coupure de feu, ça peut venir très rapidement, c'est clair. Mais après, pour tout le reste, je veux dire, ça ne peut pas se faire en 15 jours. De toute façon, ni 3 mois, ni 6 mois, je veux dire, ça met des années, quoi. Mais oui. Et toi, donc, ça, comment ça s'est développé? Parce que j'imagine que, au tout début, je pense que même au niveau de la pensée, tu n'avais pas, cette forme de pensée créatrice, on va dire, qui fait que tu arrives à soulager des personnes qui souffrent. Du tout. Moi, j'ai commencé, j'étais en école primaire, et quand ma maîtresse d'école, qui était une personne qui ne pouvait pas me voir, enfin, surtout pas voir mes parents, on va dire, je pense. C'est une question politique, visiblement, ce qui est le cas. Et enfin, ce qui était le cas. Donc,
il suffisait que je me concentre et puis elle ne pouvait pas me poser de questions. Voilà, à la même époque, j'avais eu des rêves de télékinésie, de magnétisme. J'avais 7-8 ans et je n'y connaissais absolument rien là-dedans, ainsi que mes parents d'ailleurs, qui n'étaient pas du tout guérisseurs ou coupeurs de feu. À partir de là, après, ça s'est fait progressivement, le fait de ressentir les gens, de sentir leurs pensées et autres. Ça, c'est quelque chose de très fréquent. Après, on arrive aussi, ça s'appelle l'empathie, ni plus ni moins. Mmh. L'empathie, c'est surtout ressentir les douleurs et les problèmes, tandis que là, je ressentais vraiment à l'école ce que mes copains pensaient de moi, ce qui était très, très difficile à vivre. Donc, t'allais dans leur cerveau, en quelque sorte, quoi. Dans leur cerveau, on va peut-être pas aller jusque-là, il faut rester simple, on va dire. Hein. C'est pas X-Files, je savais, et si je veux encore actuel, je peux le savoir. J'évite encore, c'est clair. Enfin, je bloque un peu, tout ça, je limite. Je fais un pourcentage de réduction là-dessus, une coupure en réduction d'empathie. Pour dire le terme, ça marche très très bien. D'ailleurs, j'ai fait dernièrement sur une personne qui avait trop d'empathie, donc ça l'a bloqué dans sa vie de tous les jours, aussi bien son travail que dans sa famille. J'ai fait une réduction d'empathie. Mmh. Donc, eh bien, ça se calcule au pendule, tout simplement. Ça, c'est un peu pour les spécialistes, on va dire, pour les personnes qui sont habituées, mais en même temps, ça peut aider des personnes. Tu fais une réduction, tu calcules au pendule ce que tu dois faire comme réduction, c'est-à-dire 10, 20, 30% ou 40%. Très souvent, c'est dans les 30% pour réduire l'empathie, pour éviter que la personne ressente de trop. D'accord. Moi, j'aime bien, moi. Voilà, après j'ai continué et puis j'ai rencontré, j'avais mon médecin de famille qui a appris énormément de choses, aussi bien la phytothérapie, l'acupuncture à l'école de Shanghai, qui a travaillé avec un chaman en Amazonie, qui a fait plein de choses, la phytothérapie, énormément de choses, l'astrologie médicale, qui a édité des bouquins, il était quand même aussi sur mon chemin, donc il m'a expliqué pas mal de choses et puis bon, on s'est retrouvé à discuter des personnes qui le soignaient en me disant ce qu'ils en pensaient, et puis moi j'en pensais de mon côté, donc c'était très intéressant. Même si on n'a pas le droit de faire des diagnostics, on peut donner un avis, surtout un médecin. Donc voilà, j'ai fait pas mal de choses comme ça. Et après, j'ai rencontré une personne qui était une petite grand-mère, qui avait appris énormément de choses pendant 30 ans, qui avait appris par un vrai guérisseur, hein, qui n'a pas fait fortune, toute sa vie, on va dire, qui s'appelait Daniel Bourdin, qui a écrit des bouquins, un conte d'auteur. Pour la bonne raison, c'est que ça n'intéressait personne, ces bouquins, alors que c'est des bibles. Ces bouquins, chaque page apporte énormément, alors que beaucoup de bouquins sur le magnétisme et autres, on prend trois lignes sur le bouquin. Parce que ça apporte pas grand chose, là, ça apporte énormément. C'est des bouquins difficilement trouvables à l'heure actuelle, parce que nous, on réimprimait. Et c'était une amie à ce guérisseur, donc elle m'a appris tout ce qu'elle a appris par le guérisseur, tout ce qui est dans ses bouquins et tout ce qui n'est pas écrit dans ses bouquins aussi. Ça m'a appris beaucoup, et puis après, bon, des rencontres à chaque fois, évidemment. Un fameux Jean-Charles, pour ne pas le nommer, au niveau des coupures de feu, qui m'a appris à le faire, ne plus couper d'une manière empirique, mais le faire d'une manière plus... on va dire, pas cartésienne, parce que c'est pas cartésien évidemment, mais d'une manière plus ordonnée, quoi, on va dire. D'accord. Ça sous-entend qu'avant tu étais désordonné. Bah, si tu fais une coupure en disant je coupe la douleur comme ça, c'est bien, ça peut marcher, mais tu t'aperçois que sur certaines personnes ça marche, mais pas tout. Tout n'a pas marché, parce que après il va y avoir une grosse cloque derrière, la cicatrisation ne se fait pas bien, ou la douleur ne part pas bien, enfin, des choses comme ça. Donc il y a des protocoles alors quand même. Voilà, tu peux faire des protocoles, c'est très intéressant, parce que ça apporte vraiment, et puis surtout, ça évite de louper la coupure. D'accord. Donc, je ne dis pas que les personnes qui ne fonctionnent pas comme moi ne fonctionnent pas bien et ne font pas bien leur coupure, hein, loin de moi, cette idée. Tu me fais penser un petit peu à comment ça s'appelle, j'allais dire Chico Xavier, mais ce n'est pas lui que je pensais, c'est au célèbre guérisseur brésilien, oui. João Dedeus. J'aurais pas dit avec l'accent, mais merci, c'est gentil, j'aimerais bien le rencontrer. Voilà, mais tu me fais penser à lui quand même, parce que je t'imagine faire, en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai,
dans ma tête, j'ai les images que, comme si je te voyais de, et j'ai l'impression, c'est comme si tu passais ton doigt sur une, on va dire sur une plaie, comme ça, mais sans toucher, hein. Oui. Et hop, on fait comme si on recousait en quelque sorte, on d'abord on désinfecte, et en fait, je te vois faire comme ça, quoi, comme si tu, et j'imagine que d'abord on nettoie, on peut le faire aussi en mental. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'essaye de te dire. En fait, c'est comme si on était une infirmière en quelque sorte, ou un infirmier, hein, et qu'on nettoie une plaie pour de bon, mais dans le virtuel, dans l'imaginaire en fait. C'est dans du virtuel. Ouais, dans le virtuel. C'est de l'imaginaire effectivement, mais une coupure de feu quelque part, c'est aussi de l'imaginaire. D'une façon rationnelle, c'est imaginaire de dire je coupe le feu. Mais c'est vrai qu'il m'arrivait d'ouvrir, de rentrer, d'attaquer le problème, on va dire, de le réduire, de refermer derrière, ou de rentrer, ne serait-ce que dans une dent, qui a une inflammation, une infection, que la personne a très mal, je visualise, je rentre dans la dent. Je ne fais pas systématiquement. Je rentre dans la dent, je vois le problème et je nettoie, je fais une activation de cicatrisation et puis la personne tout au moins est soulagée à défaut d'être guérie parce que suivant les cas, on ne peut pas non plus supprimer l'inflammation fœtale. Qui dit inflammation dit virus en quelque sorte. Hein, ou infection. Ou infection tout au moins, oui. Infection. Oui, si c'est le bon terme. Je crois que infection, c'est le bon terme. J'en suis même certain. Alors, tu as d'autres messages. Alors, il y a Karine. Bonsoir à tous. Un grand bonsoir à tous. Kata qui revient. Kataclique qui revient. Peut-on agir sur autre chose que du vivant, tel qu'un feu de cheminée ou autre? En fait, si c'est pour amener la cheminée... je vois pas trop ce qu'elle veut dire par là sur un feu de cheminée, c'est-à-dire pour arrêter le feu de cheminée. Il y a Cindy. On n'a jamais essayé, on va dire. Il y a Cindy qui lui répond comme ça. Lol, toi, tu veux éteindre les feux de forêt. On n'est pas rendu là. Pas encore, je crois pas. On se limite aux personnes. Gislaine, si tu peux être un petit peu plus précis sur ta question. Voilà, je pense qu'elle parle de magnétisme, donc peut-être sur encore que un fruit c'est vivant, le feu de cheminée c'est du bois mort. Même une pierre est vivante, parce qu'on peut programmer aussi une pierre, on va dire, enfin programmer est un grand mot très technologique, mais on peut programmer, mettre une intention sur une pierre, ou comme dans de l'eau d'ailleurs, comme c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est Emoto. J'imagine que tu as dû entendre parler d'Emoto, qui a fait des photos d'ailleurs, ça rime, sur le bouteille d'eau qu'il mettait aussi bien dans un temple bouddhiste que sur des bouteilles d'eau sur lesquelles il mettait par exemple je te hais et autres. Ah oui, on a parlé de ça la semaine dernière justement. Et à partir de là, congelé, les cristaux de glace ne sont plus du tout les mêmes. Oui. Donc effectivement, par le mental, on peut faire des choses comme ça, c'est clair. On peut modifier la mémoire de l'eau. C'est clair, je l'ai fait. C'est pas extraordinaire, je suis pas le seul loin de là. J'ai des personnes qui sont bien plus compétentes que moi, je connais, qui font ça. Mais on peut effectivement modifier la mémoire de l'eau des personnes. Donc effectivement, ça va jouer directement. Ça peut même jouer au niveau osseux. C'est-à-dire qu'instantanément, les gens vont en ostéopathie... La majorité des personnes ont une jambe plus courte que l'autre. Suivant les mots que l'on dit, on peut redresser le squelette. Ah, ça peut aller jusque-là quand même. Oui, ouais, oui, il y a des personnes qui font des formations. Il y a un Belge qui s'appelle... je ne me rappelle plus son nom, évidemment. C'est pas grave. Et donc, il fait des formations en France, notamment en Charente-Maritime. Enfin, lui, il a arrêté de les faire. Maintenant, ce sont ses élèves qui ont fait ça. Il y en a beaucoup d'ostéopathes maintenant ne se servent plus que de ça, ou se servent beaucoup de ça. C'est-à-dire qu'ils posent juste les mains, mais ne font plus rien par les mains, ils font par le mental. Par le mental, ouais. Et ça remet les os en place. Et ça m'arrivait d'ailleurs, en magnétisant des personnes, de sentir notamment un genou d'une personne se remettre en place comme un Rubik's Cube.
C'est top, clap, clap, clap. Clac, 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 oui. Mais là, là, c'est presque du domaine du rebooteur, en fait. Non, le rebooteur, lui, il tripote, il remue, il fait. Oui, bah oui, mais il remet en place, quoi. Enfin, le résultat est le même. Ouais, non. La différence, c'est que j'avais juste. Toi, tu penses à le faire et lui le fait. J'avais juste posé la main sur le genou, ouais. Sans pression. Ce qui est différent. Oui, mais alors, ça, c'est... alors pour le coup, c'est presque de la télékinésie, en fait. Non, c'est non pour moi, c'est la mémoire cellulaire, tout simplement. D'accord. Moi, je pensais plus à la télékinésie, parce que en télékinésie, on peut déplacer des objets, donc j'imagine qu'on peut replacer des os, peut-être. Ouais, mais pour moi, c'est pas ça. C'est pas ça, quand même. Moi, c'est la mémoire cellulaire liée à l'énergie que l'on fait venir. Donc, on remet les choses à leur place, en fait. Voilà. On laisse remettre, surtout. Parce que là, dans ce genre de situation, on s'éloigne un peu de la coupure, hein. Là, dans ce genre de situation, on n'agit pas par le mental, on laisse faire l'énergie. On fait une demande à la base et on laisse faire l'énergie et ça se remet en place. Ok. Comme ça. Mais c'est instantané ou c'est au bout d'un certain temps ? Instantané. Instantané. Waouh, wow, dis donc. Après, si tu veux, suivant les cas, ça ne va pas tenir. Il ne faut pas que tout le monde vienne avec les béquilles demain matin à la maison. Hein. Ça ne va pas tenir. Après, il y a d'autres techniques qui sont plus longues et autres, mais une personne... C'est... Tu vois, par exemple, une personne qui fait une petite relaxation, mais basique, hein, c'est-à-dire elle souffle un petit peu, elle écoute un petit peu de musique, 2 minutes, une personne qui n'a pas l'habitude de faire ça, donc se relâche un peu, on lui dit de prononcer quelques mots, ne serait-ce que le mot amour, et instantanément, une grande partie du squelette va se réaligner. Par contre, si ça se voit au niveau de, je crois que c'est l'astragale qui est au niveau du pied, de chaque côté, ça se réaligne, c'est la même hauteur sur chaque pied. Par contre, une personne, la même personne, si on lui fait parler, si on lui dit de penser à quelque chose qui la stresse, son travail ou autre, si cela, instantanément, clac, ça se remet, comme c'était auparavant. D'accord. C'est très surprenant. Bah, j'imagine, oui. Mais ça marche. Bah, tant mieux, là, c'est ça l'important. Hein. L'important, là, c'est que les gens soient mieux après. Par contre, là, ce n'est plus de l'action avec le mental. Au contraire, là, le mental n'agit plus. Là, on ne sert pas du mental pour ça. Donc là, on s'écarte un petit peu de la coupure, quoi, quand même. Oui. Bon, alors, il y a quatre messages, là, encore. Alors, il y a quelqu'un qui, je pense, qui te porte dans son cœur. Voilà, parce qu'elle t'envoie un grand merci, c'est Marie-Christine. Alors, elle te dit comme ça, un grand merci à Jean-François Bourbon, qui m'aide à surmonter le cancer du sein. Oui. Ça fonctionne très bien pour les douleurs articulaires et musculaires, qui sont en rapport avec le traitement de l'hormonothérapie. Voilà. Votre émission est très intéressante. Bonne soirée à tous. Je vous embrasse, Marie-Christine. On t'embrasse aussi, Marie-Christine. Et surtout, bien, bon courage. Tiens bon. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je fais ça, si tu veux, parce que j'y passe beaucoup de temps, parce que je suis un peu ému. Ça fait du bien. Non, mais il faut. C'est normal. C'est normal. J'ai un travail. Hein. C'est pas mon travail. C'est clair. Je n'en vis pas. Et je passe beaucoup de temps au détriment quand même de pas mal de choses. D'ailleurs, il me reste encore des volets à peindre, hein, s'il y a des peintres qui veulent venir m'aider, parce que je n'ai pas le temps de le faire. Et voilà, par contre, tu vois, ça, c'est le meilleur merci que je puisse avoir. C'est ça, moi je dis que c'est quand il y a des messages comme ça, c'est la meilleure des récompenses, en fait. Exactement, oui. Sinon, je crois qu'on abandonnerait, parce que c'est très, très... ça prend énormément de temps, ça prend... Des fois, ça m'arrive de me réveiller en pleine nuit. Et je me réveille toutes les nuits, mais à chaque fois, je suis encore dans la guérison. Je suis encore dedans. Je ne relâche pas. Ce qui n'est peut-être pas bien, mais à côté de ça, si tu veux, je continue. Je veux dire, et j'essaie de trouver. Je me réveille des fois pour trouver des nouveaux protocoles de coupure pour telle ou telle personne, parce que ça ne fonctionne pas sur elle, tu vois. Oui. Ça m'est arrivé pour l'hormonothérapie, parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué comme coupure. Ça m'arrivait de me réveiller et de dire tiens, il faut que je fasse comme ça et comme ça. Mais c'est toujours le mental, bien sûr. J'invente pas par A plus B. Mais j'y passe effectivement énormément de temps, c'est clair. Tu as un deuxième remerciement. Alors là, c'est Ali Ocha. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le dire. Ali Ocha. Je confirme, Jeff, donc Jean-François, toi, hein. À contrôler ma première coupure et m'a guidé ensuite pour que cela guérisse mieux. Merci voilà. Encore pour son boostage. Mais c'est super important, je trouve, de partager, parce que il faut pas être dans l'ego quand on fait ça. Si on est dans l'ego, bon, c'est quand même franchement dommage. Et
On en trouve énormément. Où c'est moi-je. Et j'en vois beaucoup, comme je suis administrateur de groupe, j'en vois beaucoup qui arrivent et puis qui viennent conquis. Récupérer du monde pour monter leur propre groupe et après monter leur formation. On va éviter de parler de ça, Jean-François, parce que c'est donner du caviar au cochon, comme on dit. Voilà, exactement, mais je cautionne pas ça du tout. Voilà, mais donc, on n'en parle pas, justement. Non, voilà, on va pas nourrir ça. Exactement, donc je reviens sur cette personne. Voilà, dès que je peux, oui, si une personne demande, ouais, c'est clair, je vais m'en occuper, je vais contrôler derrière, et puis après, elle peut voler de ses propres ailes. Voilà, c'est super important parce que c'est pas, je veux dire, même si elle gagne sa vie avec ça, après, ou autre, c'est pas grave, je veux dire. Quoique les coupures, on essaie de les faire gratuites, même si un don n'a jamais fait de mal, hein. On est comme tout le monde, bien sûr. Mais, je veux dire, les gens qui souffrent, je veux dire, il faut, on n'est pas assez pour pouvoir les soulager, les aider, les accompagner. Mmh. Et donc, c'est super important de pouvoir aider des personnes, d'être un peu, leur montrer un peu le chemin, les guider, pour qu'elles puissent, après, à leur tour, faire la même chose, et puis surtout aider des personnes qui en ont besoin. Oui. Alors, il y a Paulette maintenant. Bonsoir à tous. Ce serait tellement bien si les magnétiseurs et les docteurs pouvaient se comprendre et travailler ensemble. Ça existe déjà, Paulette. Ça s'ouvre tout doucement. Alors, c'est assez rare quand même. Oui, c'est assez rare, mais ça s'ouvre quand même. Voilà. Je pense que nous en sommes encore très loin. On me l'a clairement fait comprendre à l'hôpital où était mon fils, allongé depuis un an. Il avait de très gros escarres, et c'est un magnétiseur qui l'a soulagé. Mais je n'ai pas pu en parler aux médecins. Ils étaient quand même étonnés de l'amélioration, d'autant plus qu'il était diabétique. Donc, les infections étaient difficiles à guérir. Bien sûr, d'autant plus. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, enfin, c'est vrai que jusqu'à présent, parce que comme ça fait 30 ans que je fais ça, il y a beaucoup de personnes d'avant qui n'osaient pas dire. Il y a d'ailleurs même mes parents, tu vois, à un moment, n'ont pas osé dire au chirurgien qu'il y avait eu une action autre que la leur. Je pense à mes parents, ça me fait rire. Maintenant, ils ont bien changé d'avis. Et il y a beaucoup de personnes aussi maintenant qui n'hésitent pas à dire oui, mais je suis suivi par telle ou telle personne. Et ça, c'est important parce que, en fin de compte, ça apporte de l'eau au moulin, on va dire, du grain au moulin. Et effectivement, il y en a qui sont totalement contre, mais bon, il faut les laisser, je veux dire, c'est pas grave. Par contre, il y en a d'autres qui savent très bien ce que l'on fait, et il y en a d'autres aussi, ça va les aider à comprendre ce que l'on fait. Et j'ai quelques personnes que j'ai suivies en chimio, en rayon, qui montrent par A plus B, aussi bien leur oncologue qu'à leur médecin, les effets positifs. Donc, effectivement, ça les amène malgré tout à se poser des questions. Donc, c'est important, voilà. Je pense. Alors, il y a Kata qui revient. Est-ce que ça fonctionne si la personne à traiter n'y croit pas? Dans un cas, par exemple, d'un proche qui demanderait pour elle. Alors, moi, la façon dont je procède, j'ai besoin de l'autorisation de la personne. C'est quand même très important parce qu'on n'a pas décidé du chemin de vie de la personne sur laquelle il faudrait faire un soin. Donc, j'ai besoin de l'avis de la personne. Si la personne, pour X raison, ne peut pas parler ou autre, je vais me poser la question, est-ce que je peux faire le soin? Est-ce que j'ai le droit de le faire au pendu? Je fais comme ça. Mais de préférence, je tiens absolument à avoir l'avis de la personne. Après, si la personne n'y croit pas, mais qu'elle veut bien essayer, ouais, ça marche. Enfin, ça marche, oui, je vais le faire. Mais par contre, si la personne n'y croit pas, de toute façon, elle ne va pas me demander. Ça, c'est clair. Bah, c'est, oui, c'est évident. Alors, après, si tu veux, j'ai soigné, pour une interview sur France 2, j'ai soigné une personne à la demande du journaliste qui n'était pas au courant. Bon, là, je l'ai fait, mais je l'ai fait pour démontrer, qu'on va dire. Mais c'est pas ma façon de fonctionner, c'est clair. D'accord. Je préfère que la personne soit au courant. D'accord. Mais malgré tout, la personne, pour cette interview, la personne que j'ai dû faire une coupure en chimio, j'ai demandé si, au pendule si j'avais l'autorisation de le faire. Si je n'avais pas eu l'autorisation de le faire, je ne l'aurais pas fait. Mmh.
puisqu'on ne peut pas se permettre d'aller, comment dirais-je, d'interférer dans le chemin de vie d'une autre personne. Ce qui est normal, hein. Chacun son, ses choix d'incarnation, on va dire. C'est ça. Voilà, alors après on a Laurence, alors elle parle donc de toi, hein. Notre Jeff, comme on a le même prénom, c'est un peu compliqué. Alors notre Jeff, entre parenthèses, Bourbon, et son grand cœur. Alors toujours disponible. Ma béquille pour continuer à avancer vers la guérison de mon cancer du sein. Bisous, et c'est signé Laurence, on va dire chérie. Enfin, je donne le nom aussi parce que, comme elle le met elle-même, donc ça veut dire qu'on peut le donner. Tout à fait, oui. Mais c'est vrai que si tu veux, ouais, ça va, on va aborder aussi ma façon de faire, qui est encore une fois ma façon à moi, je veux dire. Hein. C'est que moi, je ne fais pas ça comme quand on va au champ, je veux dire, je reviens à l'accueil d'Auchan. Au ticket de caisse de chez Leclerc, quoi, on va dire. C'est que j'ai, pour bien travailler, je veux dire, c'est pas comme une coupure de feu. Une coupure de feu, je veux dire, ça va pas durer, ça va être l'effet éventuellement de quelques jours. En chimio ou en rayon, ça va être 30, 40, 50 coupures chimio. C'est pas nécessaire de le faire à chaque fois, mais ça se contrôle. Il faut donc avoir les dates. Et il va y avoir aussi au minimum, suivant les cas, une trentaine de rayons radiothérapie. Donc c'est important de suivre la personne. Et c'est clair que j'ai besoin d'avoir le contact de la personne, qu'elle me donne régulièrement des nouvelles, même si ça va pas ou autre. Surtout si ça va pas d'ailleurs, comme ça je modifie mes protocoles de coupure. Mmh. Simplement c'est super important. Je suis pas là en disant tiens telle personne, tiens je fais ça, pauvre voilà et j'ai pas de nouvelles derrière. Non moi je fais les choses bien. Ou tout au moins essayer le mieux possible. Donc je tiens absolument à avoir un suivi sur les personnes, c'est clair. Voilà. Alors justement, quand tu parles de ça, il y a justement GG. bonsoir à vous. Même après les traitements, Jean-François est encore là. Que dire, à part merci Jeff? Oh non, c'est grâce à GG, à Laurence, toutes ces personnes-là que j'ai beaucoup progressé, beaucoup appris. Et je leur dois certainement autant qu'elles me doivent, c'est clair. Voilà. C'est très important. C'est normal, en fait. À force de pratiquer, c'est comme le vélo, en fait. À force de pratiquer, on arrive à l'élite, si je peux dire. C'est ça, mais en même temps, il faut les coachs. Et ce sont les malades qui sont les coachs à des moments. Les patients sont les coachs, en fait. C'est ça, exactement. Parce qu'elles nous... Je parle comme si j'étais toi, mais dans mon domaine, c'est un peu pareil, quoi, en fait. Bien sûr. Voilà, à force de pratiquer, à force de donner, de soulager ou de faire de la voyance, de la médiumnité, etc., etc. En fait, les personnes qui se prêtent à l'action de guérir permet justement aux guérisseurs de progresser. Complètement, oui. Voilà, et ça c'est bien. Et d'ailleurs, quand on voit tous ces témoignages là, c'est juste beau, quoi. Merci. Ouais, c'est clair. C'est clair, tu vois, une petite anecdote, c'est que le 1er janvier, en rentrant, j'ai eu la bonne idée d'allumer l'ordinateur avant d'aller me coucher, donc il était déjà très tard, évidemment. Et je suis allé sur ma page et puis j'avais, je sais pas, une cinquantaine de bonnes années, de remerciements et autres. Alors c'est des personnes que que je suis pas tout le temps, mais que je suivais en coupure, en chimio, en rayon, en coupure de feu ou autre problème, on va dire. Et ces personnes-là, elles n'oublient pas. Derrière, c'est clair. Et j'ai dû bien mettre 2 heures avant de... J'ai dû me coucher le matin assez tard, on va dire, au 1er janvier. Parce que toutes ces personnes-là n'oublient pas derrière. C'est clair. Mais apparemment, toi non plus. Hein. Non, parce que c'est pas le temps quand tu fais ça sur des personnes qui ont des maladies très très graves, je veux dire, voire extrêmes, on va dire. Ils frôlent la mort, en quelque sorte. Hein. C'est clair. Donc, malheureusement, heureusement, j'en ai très très peu qui partent, c'est clair. Donc, il m'est arrivé de les accompagner à partir... Ouais, j'ai du mal à dire tout ça. Oui, on sent qu'il y a l'émotion, il y a le côté émotionnel qui surgit, c'est évident. Hein. C'est normal, c'est ton côté humain aussi, hein. Tu soignes toutes ces personnes-là, tu t'engages, tu t'investis énormément, c'est clair. Et une personne où c'est la fin,
bah, tu vas l'aider à partir, l'empêcher de souffrir. Mmh. Et ça, c'est pas facile. Par contre, ça, bah, ça marche pas mal, on va dire. On va pas trop s'éterniser sur le sujet. Mais... Non, mais quand même, bah, hier, on parlait justement, on a fait une émission sur les passeurs d'âme. Et donc, bah, voilà, en quelque sorte, toi, tu, le soin n'a pas donné ce qu'il fallait, c'est peut-être que ça, il fallait pas non plus, c'était peut-être dans le karma de la personne ou autre. C'est clair, c'est le chemin de vie de tout le monde, je veux dire, de chaque personne. Donc, c'est vrai que bah, certains ne vont pas, voilà, je veux dire, c'est le moment de partir. Mais par contre, bah, je fais ce qu'il faut pour qu'ils ne souffrent pas, pour qu'ils ne souffrent plus. Pour pouvoir partir dans la sérénité. Alors, on va se marquer une deuxième pause musicale avec Pascal Obispo. Alors, c'est une chanson qui parle justement de l'autre côté. C'est marrant parce que, tu vois, je ne fais jamais exprès avec mes chansons. Mais quand je les programme, souvent, elles tombent pile-poil Madame Moelle, comme on dit. Bon, je veux bien un petit YouTube après. Hein. J'ai pas ça. Je sais pas si je dois en avoir, mais il va falloir que je cherche. Là, c'est Pascal Obispo, c'est Arigato. Bon, voilà, ça parle de l'au-delà. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bienvenue sur LTURadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site LTU-radio.fr. Vous cliquez simplement sur l'onglet « Inscription ». De là, vous vous rendez sur la page « Au cœur du temps » et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt. Salut. Voilà, et on retrouve Jean-François Bourbon pour l'émission sur les coupeurs, les barreurs de feu. Voilà. Alors, Jean-François, il y a encore des messages, alors on va se les lire parce que ça fait toujours plaisir. Alors il y a un message de Marguerite, enfin c'est pas un message qu'il y a, c'est plusieurs, hein. Alors Marguerite, donner avec son cœur finit toujours par rejaillir sur soi, et elle t'envoie 5 petits cœurs. C'est gentil. Mais c'est vrai. Ouais. C'est ça aussi. Alors après on a Irène. Ça doit être Conque, je pense. C'est NQ, je pense que c'est Conque. Oui, je peux confirmer pour l'accompagnement de fin de vie. Mon ami est parti sans souffrance et serein. T'as vu comment que c'est beau? Oui, c'est clair, c'est ça. C'est important d'arriver à le faire. Alors, c'est pas ce que je préfère faire. Non, bah non, on préfère travailler pour la vie, en fait, on va dire. Exactement, c'est clair. Voilà, alors Sylvie, c'est quelque chose de fort aussi pour celui ou celle qui aide une personne à partir. Une communion passe et très forte. 3 petits cœurs. Oui, c'est ça. Voilà. Après, tu as un message du groupe de avant, pendant et après le cancer. Ah oui. Voilà, et Jeff, on t'aime. Enfin, Jeff, c'est toi, Jean-François. J'entends bien. Oui, c'est bien. Moi, j'avais pris pour moi. Oui, c'est pas pour moi. Moi j'ai des trucs, mais dans un autre registre, on va dire. Et on est fiers de toi. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est comment dirais-je, des personnes qui deviennent des amis, quoi. Ni plus ni moins, même si c'est des amis virtuels, c'est des personnes bien, quoi, tout simplement. Voilà, et Laurence confirme les paroles de Gégé. Voilà. Voilà, exactement. Voilà, là, tu es un peu loin, Jean-François, du micro. Oui, attends, je me rapproche. Voilà, fixer la TSF par chez moi. Oui, oui, on met le doigt en l'air pour que ça marche mieux. Exactement. Alors, donc on a parlé des manières d'agir, donc par la prière. Non, on n'a pas parlé de la prière, on a parlé de l'intention, on n'a pas parlé de la prière. Voilà, alors pour parler des prières, je me sers pas de prière, contrairement à d'autres qui se servent énormément de prière. Mais c'est pas, j'ai pas besoin de ça, je veux dire, pour moi c'est un support. Voilà, mais c'est pas péjoratif de dire que c'est un support. Certaines personnes ont besoin de ça. Et ben moi, c'est pas mon truc, tout simplement. Moi, c'est directement le mental. Mais malgré tout, je pense que c'est, de toute façon, ça revient à la même chose, d'une manière ou d'une autre. Mm-hmm. Et je pense que la prière par elle-même va aider la personne, va la rassurer, je pense, à pouvoir faire le soin. D'accord. Ça,
c'est mon avis. Après, s'il y a d'autres personnes. Ah, c'est même pas ton avis, c'est ta pratique, c'est ta façon de faire. Et apparemment, d'après tout ce que je peux lire, c'est qu'elle est très bonne, quoi. C'est pas que ce soit mieux ou pas. Je veux dire, dans ce genre de choses, il n'y a pas de compétition. Non. Il faut être mieux, tu comprends bien. L'important, c'est de travailler dans le même sens, on va dire. Voilà, on travaille tous dans le même sens. Voilà, je pense qu'à partir du moment où le travail est dans l'amour, je pense que ce soit par la prière ou par l'intention, je pense que les deux, je sais pas comment il faut dire, les deux guérisseurs ou les deux coupeurs de feu travaillent dans le même sens en fait. Hein. Exactement. Voilà. La différence, c'est que, on va dire, là encore, ce n'est que mon avis, mais je répète souvent, mais parce que je veux pas passer pour moi-je. Ce qui se passe, si tu veux, c'est que quand tu fais une prière derrière, la personne va s'arrêter à la prière, ne va pas regarder au pendule en disant « Est-ce que j'ai réussi ma coupure de feu ? Est-ce que je dois faire autre chose ? Est-ce que je dois faire une activation cicatrisation ?» C'est-à-dire, tu vois, envoyer un ordre mental sur le coup. D'accord. Voilà. Ça, avec les prières, les personnes, dans l'ensemble, ne vont pas faire ça. Tandis que, avec la méthode que l'on m'a appris, c'est pour moi qui l'ai inventée, après je l'ai améliorée à ma façon, c'est effectivement, je rajoute des choses du style, je fais un effet de froid, je fais une coupure de la douleur, tu vois, parce que des fois, tu peux faire une coupure de feu, et tu contrôles derrière au pendule, tu t'aperçois que malgré tout, y a encore de la douleur, ou il y a encore quelque chose à faire. Donc, de toute façon, il n'y a pas 36 questions à te poser, donc c'est vite fait, et à ce moment-là, tu envoies un ordre mental. Et à ce moment-là, ton pendule va te dire quand c'est bon, quand c'est passé ou pas. D'accord. Après, donc, en fait, tu as une pratique avec un pendule. Le pendule, en fait, ce serait comme un espèce de support, alors ? Alors oui, c'est un support, complètement. Après, on va aborder les différents pendules. Parce que je ne me sers plus du pendule. Pour moi, il y a plusieurs choses. Certaines personnes se servent de leur cou, tout simplement, parce que le pendule n'est qu'un objet. Hein. En fin de compte, c'est nous qui actionnons l'objet, par les mouvements incontrôlés ou autres de notre corps. Donc ce qui se passe, c'est que il y en a certains, si tu veux, ils vont poser la question, parce que oui, si tu veux, le coup, ils vont donner un petit coup de cou de tête en avant, légèrement, sur quelques centimètres. Non, ça va être en arrière. D'autres, ça va être un doigt qui tourne. J'ai expérimenté ça dernièrement, c'est-à-dire que le doigt, ben, si tu veux, il se met à tourner. Mais c'est pas toi qui le dirige, tu le laisses faire inconsciemment. Mais tout en conscience. Après, moi, c'est le bras. C'est beaucoup plus rapide, parce que le bras, c'est direct. C'est-à-dire, si tu veux, quand je suis assis, par exemple, je me décale un petit peu sur la droite, je laisse pendre mon bras. Donc, mon bras n'est pas retenu, ne touche pas mon corps. Et c'est mon pendule. Donc, ça, c'est immédiat. Je sais tout de suite les réponses. Contrairement au pendule traditionnel, qui va prendre, lui, du temps pour pouvoir se lancer, tourner dans le sens et autres. C'est marrant ce que tu me dis là au niveau du bras qui tourne. J'ai une de mes consultantes qui est venue me voir il y a quelques années, qui a déménagé depuis. Elle m'avait montré une vidéo où elle pratiquait le magnétisme sur des patients. Hein. Et justement, au lieu que ce soit elle que dans le bras tournait, en fait, c'était celui des patients. Ah oui. Oui, ça agissait comme ça. C'est les jambes ou les bras tournaient, mais de Et les gens avaient des drôles de réactions, de mouvements de corps incontrôlés, voire incontrôlables. Et elle m'avait montré la vidéo, ça m'a surpris, mais alors, voilà quoi. Et elle a des résultats, mais super aussi. Ouais, c'est surprenant, enfin, j'ai jamais entendu parler de ce cas-là. Bon, l'avantage de mon cas, quand même, le petit côté rigolo, si tu veux, c'est que si tu vas dans une grande surface, que tu te retrouves devant le rayon vin, tu peux choisir ton vin au pendule. Avec ton bras, c'est très discret. Professeur Tournesol, et ça marche très bien. Alors, comment tu formules ? Parce que moi j'aime bien le bon vin aussi. Hein. Ben, c'est simple, tu vois. Je touche l'étiquette quand même de la main gauche, je suis droitier, et puis mon bras droit, tu vois, va me dire discrètement, parce que c'est des tout petits mouvements giratoires, on va dire, hein, sur quelques centimètres. Et là, ça va me dire si est-ce que le vin est bon ? Oui, non. Est-ce que je dois prendre celui-ci ? Oui, non, tu vois. Après, tu peux me essayer en pourcentage de 1 à 10. Ça marche très bien. D'accord. Bon, à essayer. Essayer. À essayer.
Ah ouais, c'est ça, ça m'a l'air pas mal. En préparant l'émission, on avait parlé un petit peu donc de l'eczéma, ça on en a parlé au début d'émission aussi. On n'a pas parlé du psoriasis. Alors, le psoriasis, c'est différent. Déjà, on ne va pas trop en parler quand même, parce que j'ai eu rarement l'occasion d'en faire, déjà, tout simplement. Donc, je pourrais donner ma science infuse, alors que j'en ai très peu fait. Ce que je préfère... Ouais, là, c'est un petit peu différent, parce que le psoriasis, très souvent, c'est souvent un problème dû à un problème mental. Je ne sais pas si tu partages cet avis-là. Mmh. Donc, là, il faut faire une action sur le mental de la personne. Oui, parce que souvent c'est pour solutionner le problème. Parce que si on fait une action sur l'inflammation, on va dire en gros, tu vois, sur le psoriasis, mais qu'on ne cherche pas à résoudre le problème mental, enfin tu vois le problème psychologique, on va dire, qui a abouti sur ça, ça n'a pas bien fonctionné. Mais souvent le psoriasis c'est dû à un double abandon en fait. Un double abandon et aussi il y a des causes de génération en génération. Oui, mais alors, tout ça, on peut essayer de... Mais après, ça prend du temps, évidemment. C'est clair, hein, parce que c'est dur, c'est profond. Hein. Mais il faut... je ne sais pas si on va parler de tout ça, parce que on va encore s'écarter du sujet, mais suivant les cas, il faut parler à l'enfant intérieur de la personne. Parlant à l'enfant intérieur, ça peut apporter énormément pour résoudre le problème. Oui, j'allais dire, l'enfant intérieur, c'est l'âme, hein, tout simplement. Hein. Je ne sais pas, j'appelle pas comme ça. Moi, je parle l'enfant, tu sais, il y a avoir gardé son âme d'enfant. Oui, tout à fait. On a une copine qui en parle très bien, c'est Marie-Pierre Lemayeux qui parle de l'enfant intérieur, aller à la rencontre de son enfant intérieur. Et c'est vrai, je me suis aperçu qu'en parlant à l'enfant intérieur des personnes, qui est, évidemment, il faut que ça remonte à déjà pas mal d'années, le problème. Mm-hmm. Sur lequel qui en découle et qui viennent me voir pour ça, si je parle à l'enfant intérieur, ça fonctionne pas mal, ça donne des résultats surprenants même. Mais oui. Et ça se fait simplement, il n'y a pas besoin de faire d'incantation ou quoi que ce soit, ou de faire de formation, de séminaire, ou de sortir des centaines d'euros pour apprendre à faire ça, il suffit de le faire simplement avec ses propres mots. Voilà, ça s'arrête là et ça marche. Et dans l'amour. Dans l'amour et puis avec du travail aussi. Ouais, mais c'est clair, mais c'est beau en même temps, hein. Oui, c'est clair, mais c'est comme ça, je veux dire. Il n'y a pas d'autre solution, je veux dire. Les gens qui vont payer pour faire une formation, pour apprendre à faire ceci, cela en deux jours, qui vont apprendre ce qu'on met des années à apprendre, faut pas se leurrer, quoi. Ils sont contents, je veux dire. Ils ont fait un achat. Voilà, ils sont allés chez Leclerc. Exactement. Non, mais il y en a qui proposent des stages de magnétisme à. Ah, je ne sais plus combien qu'elle a payé. J'ai une copine et son mari qui y sont allés. J'aurais dit, mais n'y allez pas. C'est des bêtises. Vous allez payer une fortune pour oui, y aller. J'en ai vu à 400-500 euros. Voilà, exactement. 400-500 euros le week-end avec quelqu'un de très connu. Avec le repas non fourni. Voilà. Moi, j'aurais dit, à 150 euros, vous venez, je vous fais même le payer là à midi. Hein. C'est clair. Non, mais c'est vrai, c'est hallucinant. Mais bon, après, c'est vrai que. Il y a des abus. Mais il y a des abus dans tout, en fait. Hein, à partir du moment où les gens. Sont d'accord pour se faire avoir, et ben ils y vont, et puis ils se font avoir, et puis à la limite, c'est bien fait pour eux, quoi. Après, tu as des personnes qui sont très très compétentes, qui vont te faire des super formations, c'est clair, mais des personnes qui t'annoncent en... Tu vas devenir médium en deux jours. Voilà, c'est ça. Voilà, mais on en trouve. Et on en trouve, oui, on en trouve des gens comme ça. Je dénonce en général, hein, parce que, bon, je me sers un petit peu de la radio, on va dire. Mais moi, j'aime bien les choses justes. Non, mais tout ça, c'est scandaleux, mais en même temps, ça influence des personnes. Tu vois, c'est comme quand, des fois, je suis allé à des... Comment ça s'appelle, tu sais, le samedi après-midi, des salons bien-être et autres. Alors, je n'attaque pas le truc, je veux dire, mais bon, quand je vois des personnes qui conseillent de comment acheter un pendule et autres, j'hallucine, quoi. Je veux dire, hein, c'est du business. Il y a un business. Business is business. Et ça nous discrédite. Et en même temps, oui. En même temps, c'est vrai. Alors, on va finir avec la lecture, quand même, parce qu'il y a encore d'autres messages. Et tu auras été gâté, hein, quand même. Hein. Alors, Toff BZH. Donc, ça, j'imagine que c'est Christophe. C'est ça. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Jean-François a parlé qu'il formait certaines personnes, et j'en fais partie.
Il m'a beaucoup aidé à avancer dans ce que je fais. Grâce à toi, Jean-François, j'ai pu faire un sacré pas en avant. Mille merci, Jean-François, et merci, Jeff, pour cette émission. Voilà. Oui, ça fait partie des personnes, mais en même temps, c'est aussi des personnes qui veulent écouter. Parce que pour apprendre, il faut aussi savoir écouter. Et il faut surtout savoir écouter, je pense. Exactement, parce que là, tu vois, effectivement, on parlait de la formation à 2, 3, 400, 500 euros, voire plus. Mais c'est pas pour ça que la personne va écouter ou autre, d'ailleurs, en plus. Et voilà, bah, Christophe, lui, il fait partie aussi des personnes qui écoutent et qui cherchent à comprendre, je veux dire. Et en même temps, c'est un copain, parce qu'il est BZH, quoi, c'est un breton. Oui, j'ai failli venir le voir quand je suis allé à Caen, là, dernièrement, mais bon, c'était un petit peu trop loin et j'étais trop surbooké, donc je n'ai pas pu. Il est de quel coin? Bretagne, en oui, gros. D'accord. C'est vaste, hein, j'en conviens. Ben, moi, j'habite à Brest. Je suis de Bretagne aussi. Je crois vers là, parce qu'il est pas loin de la forêt de Brocéliande. Ah, donc il est du côté de Pimpon et tout ce qui est Merdrignac et tout ça, tout dans le coin par là-bas. Là. Je ne désespère pas l'avoir comme guide un jour. Ben, moi, je serai justement demain, je serai du côté de Pimpon, parce que j'ai une copine qui me prête l'arrière-boutique de son magasin et j'y fais mes voyances et mes médiumnités. D'accord. Voilà, c'est marrant, quoi. Et bon, ben, salut Toff, au plaisir, sait-on jamais. C'est quelqu'un de sympathique et puis de compétent. Super. Qui plus est. Alors, après, on a tcha-tcha-tcha. Les gens compétents et sérieux. Oui, je disais, après, on a tcha-tcha-tcha. Quelle zénitude dans sa voix, très agréable à écouter. Voilà. Oui, bon alors, ça, je ne sais pas si ma femme est toujours d'accord avec ça, comme opinion. Ah, c'est à Saint-Main. Il est à Saint-Main le Grand, d'accord. Ok, dans le 35. Oui, je connais Totoff. Le Totoff, en fait, Totoff, c'est un copain à moi. Oui, tu te connais? Non, c'est un autre copain qu'on Totoff, on l'appelle Totoff, quoi. D'accord, ok. Comme tous les Christophe. Ouais, comme tous les Christophe, en fait. Il y a qu'à voir pour les Jeff. Voilà, et Jean-François, Jeff. Hein. Exactement. Alors, je vais actualiser une dernière fois, puis après on va parler un petit peu de toi quand même. Bah, je sais que t'as pas de site internet, c'est dommage. Et il est en cours d'ouverture, il est prêt, mais malheureusement la personne qui s'en occupe n'attend que moi depuis je dirais 3 mois. Mais et j'imagine que là, t'as pas ça le temps. Fait quelques mois, je suis j'ai plus le temps, tout simplement. Mais tu as une activité à côté de ce que tu fais dans l'aide à la personne, si je peux dire. Oui, j'ai un vrai métier, moi, monsieur. Je travaille en dehors. Donc, je fais mes 8 heures par jour. D'accord. Et après, ben, je passe 2, 3 heures, voire 4 heures tous les soirs, aussi bien sur Facebook et autres, au téléphone ou autres, à faire des coupures. Eh oui. Et pendant que moi, je fais la radio. Voilà, exactement. Ben, chacun son truc pour aider. Hein, Exactement. Voilà. Alors, tu as quand même une page Facebook, j'imagine? Oui. Et tu as deux groupes aussi dont tu t'occupes. Voilà, alors ma page Facebook, c'est Jean-François Bourbon, tout simplement. Oui. Après, je suis administrateur du groupe Barreur de Feu, Coupeur de Feu. D'accord. Quelle notre spécialité uniquement, c'est les coupures en tout genre. Ok. Donc là, qu'on explique aussi aux personnes comment faire, comment apprendre, que l'on suit les personnes qui veulent faire et autres. Apprendre, développer, voilà, on a des fichiers avec plein de pépites, on va dire, de choses super importantes qui font gagner des mois, voire des années de recherche. Voilà, après, ben, là c'est avec Jean Guibray, qui est un ami. Après, ben, j'ai le groupe Demande de Soins, qui est un autre groupe, avec, là je suis avec Benoît, qui lui... administrateur aussi, donc là c'est des demandes de soins, mais là c'est pas les coupures, c'est pour tout le reste, mais pas les coupures, on a bien scindé. Et puis après il y a aussi le groupe magnétisme, radiesthésie et géobiologie, qui est un groupe où on parle, où on échange nos techniques et autres, aussi avec plein de fichiers très très intéressants sur le magnétisme, la radiesthésie, la géobiologie. D'accord. Voilà. Donc tu as une certaine connaissance en géobiologie aussi, j'imagine. Non, je suis franchement mauvais. Non. Je suis mauvais. Je n'y connais pas assez parce que j'ai pas le temps simplement d'apprendre. Alors qu'on a dans le groupe, on a, comme je dis, un champion du monde qui est le fameux Jean-Charles. Je vais pas le dire plus le nom parce qu'il va me fâcher. Mais
Il est énorme, je veux dire, en géobiologie, il fait des trucs incroyables, il innove, il apprend. C'est un vrai professeur tournesol, c'est l'artiste, et il suffit de suivre ce qu'il dit. Et il nous met beaucoup de choses dans les fichiers. Et là, ben, il n'y a pas besoin de payer pour apprendre. Et je connais pas d'autres personnes d'ailleurs d'aussi bon que lui en géobiologie. Il va falloir qu'il me fasse rencontrer alors. Oui, avec plaisir. Et mais par contre, il y a des petits soucis pour parler, mais on en parlera à part. Et donc, ce qui se passe, si tu veux, là, on apprend beaucoup de choses. Donc, la géobiologie, dont j'ai appris à solutionner les problèmes des maisons. Par contre, aussi bien que ce soit entité ou vortex ou autre, si tu veux, j'ai eu la chance d'être suivi par ces personnes-là qui sont très très bons et qui, elles, ont fait comme je fais pour les coupures. C'est-à-dire, j'aurais dit, bah, je fais mon soin, mais comme je fais mon soin pour une personne, je fais pour la maison. Et donc, eh bien, ça fonctionne aussi, toujours par l'intention. Sauf que moi, je le fais de manière plus empirique, alors que eux, ce qui revient quand même peu près même résultat, mais eux, ça peut être que meilleur, on va dire, parce qu'ils ont la connaissance des réseaux argent, or et tout ça, et ils connaissent beaucoup de choses que moi, je n'ai pas du tout la prétention de connaître. Eh oui, chacun, comme on dit, chacun sa place, et puis vaut mieux peut-être connaître moins de choses, mais les connaître plus intensément, on va dire. Alors, sincèrement, tu vois, j'ai eu la chance de rencontrer, toujours sur Facebook, des personnes qui sont très très douées là-dedans. Mais bon, je connais une personne qui donne des formations. Je ne sais pas si je peux donner son nom. Ah, si tu veux, il n'y a pas de souci. Il s'appelle Jean-Michel Doria. Il va être très surpris s'il m'entend, d'ailleurs. Mais parce que ce n'est pas du tout concerté. C'est quelqu'un de compétent qui est en Alsace, qui était administrateur d'un de mes groupes. Donc, j'ai le plus connu comme ça, si tu veux, par son sérieux et ses connaissances. Et ça fait partie des personnes qui prennent pas une fortune loin de là, si tu veux, et qui sont passionnés et qui expliquent. Je pense qu'effectivement, en deux jours, ça me donnerait un grand coup de pied aux fesses pour apprendre tout ça, et ça m'aiderait beaucoup, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont aussi malades à cause des maisons, donc ça m'aiderait énormément, c'est clair. Mais bon, voilà, je peux pas tout faire. Tout simplement. Voilà, et ben, je vais te remercier d'être passé nous voir. Merci, je remercie aussi Sylvie de nous avoir fait rencontrer une nouvelle fois. Oui. Voilà, et c'est vrai que ben, c'est sympa. Tu as remarqué que nos voix sont descendues ? Oui, c'est que tout le monde s'endort. Il faut plus non, non, mais c'est pas ça, c'est, je sais pas, il y a une espèce de zénitude qui s'est installée. Là. Voilà, mais bon, c'est vrai que c'est bien, ça se passe bien. Et puis, bon, l'avantage, tu vois, de Facebook, ben, c'est que tout ça, ben, on rencontre des personnes sympathiques, donc tu en fais partie, je veux dire, des personnes compétentes, et c'est ton cas aussi, je veux dire. Ah, je fais de mon mieux aussi, je fais comme toi. Hein. Voilà. Sinon, de toute façon, je serais pas venu, j'avouerais. Hein. Parce que tu vois, je suis un peu à la bourre ce soir, il y a des personnes que je vais pas pouvoir faire ce soir, parce que, en plus, avec mon gros rhume, je suis pas en forme. Mais bon, c'est des bons moments, et puis eh ben, c'est des moments de partage qui, j'espère, vont apporter des informations aux personnes qui ont écouté, parce que c'est super important de partager, de pouvoir faire avancer tout ça. Super. Mais on ne va pas pouvoir se quitter parce qu'il y a encore des messages. Bon, allez. Donc, c'est des messages de remerciement, hein, parce qu'il y a Béa qui te dit un grand merci à Sylvie de vous avoir mis en contact afin que cette émission puisse être réalisée. Merci à toi, sympa. Béatrice. C'est une belle émission, je trouve. C'est voilà, sympa. C'est sympa. Alors après on a Daniel, ça y est, je suis à écouter ton émission, Jeff entre parenthèses de Brest. En fait, Daniel c'est un magnétiseur du côté de Quimper. D'accord. Voilà, donc il m'a invité à passer chez lui le week-end dernier et c'était sympa. Voilà, on a assisté à une conférence ensemble quoi, en fait. Et ça fait toujours des nouvelles rencontres, des nouvelles orientations d'idées et autres, parce qu'il ne faut pas non plus rester figé. C'est surtout ça, quand on fait des soins, des coupures et autres, il ne faut pas rester figé, il faut rester l'esprit ouvert, il faut garder son âme d'enfant. Voilà. C'est après, il te met un merci à Jeff, donc toi, hein, de mon pays natal, il dit bien, de mon pays natal, pour ton témoignage qui émane de ton cœur. Ne coupe surtout pas ce feu divin. Voilà, c'est clair, c'est ça. Il y a des fois, on aurait envie, mais bon, de toute façon, on peut pas. C'est parce on peut qu'on pas, est... c'est plus fort que nous. Quand on est à la bonne place, on peut pas quitter. Voilà, c'est ça, c'est un truc de fou, parce que tu vois, quelquefois, j'ai eu envie d'arrêter,
Il y a des fois où ça se met en pause, c'est vrai, parce que bon, ça vient pas du jour au lendemain, donc c'est, je compare ça à un escalier aussi avec des marches. Et des fois, pour passer une marche supplémentaire, ça va mettre beaucoup de temps, on va être un petit peu en repos forcé, on se dit, ben non, il n'y a plus rien. C'est pas qu'il n'y a plus rien, non, c'est que on apprend des choses à notre insu, on ne le sait pas. Mais ces choses-là vont nous permettre de passer un nouveau cap. C'est super important. Voilà, après il y a Paulette. Heureusement qu'il y a des gens comme vous. Je vous remercie de tout cœur. Vous m'avez beaucoup aidé après le départ de mon fils. Voilà, Paulette, c'est une auditrice de la radio. Après, Marguerite, super émission. Sylvie, merci Béa, trois petits cœurs. Ça n'a pas été difficile de l'amener, JF. Tout le monde connaît son cœur. Et en tout, elle met six petits cœurs. En plus, voilà. Je suis une vraie pipelette. Allez, j'actualise une dernière fois. L'amitié, l'amour, la joie, comme je dis. Voilà, mais c'est tout. Il n'y aura pas d'autres messages. Voilà. Bah, il va me rester qu'à te saluer, Jean-François. Et puis, on se retrouve sur Facebook et pourquoi pas pour une autre émission. Est-ce que je peux rajouter un dernier petit mot? Vas-y, allez, dis-nous. Une chose importante qu'on n'a pas dit, c'est que quand on fait des soins sur des personnes malades, en cancer et autres, il faut éviter d'envoyer de l'énergie. Et dans les coupures mentales, on n'envoie pas d'énergie. Tu me dirais une prière non plus. Mais il faut éviter d'envoyer de l'énergie parce qu'on ne sait pas ce que ça peut donner au niveau des cellules cancéreuses. Parce qu'il ne faut pas doper les cellules cancéreuses. Parce que quand on envoie de l'énergie, ça va plutôt être global quand même. Après, ça, tout dépend de la personne et de son niveau. Hein. Enfin, niveau n'est pas péjoratif. Hein. C'est comme en judo, une ceinture. Hein. Et parce que c'est important de ne pas faire n'importe quoi. Et on voit des personnes qui, des fois, envoient de l'énergie sans savoir et dopent les personnes. Mais ça peut aussi doper les cellules cancéreuses. Donc, faut pas faire de bourde comme ça. Et c'est un principe de précaution que l'on applique très souvent, de ne pas envoyer d'énergie. C'est pour ça qu'on le fait souvent au mental ou en prière. Voilà. On va se quitter sur ces bons conseils. On a passé une bonne soirée. Voilà, et puis donc vous pourrez retrouver tous vos témoignages, enfin, les questions qui ont été posées sur le site, sur le groupe LTU Radio. Voilà, donc si vous voulez vous relire, il n'y a pas de problème. Et sinon, l'émission paraîtra sur YouTube et sur la page podcast d'LTU. Voilà, et donc on remettra tous les liens qui vont vers les groupes que tu as cités tout à l'heure. Donc de façon à ce que les gens puissent s'y rendre sans problème, quoi. Okay. Ce sont des groupes gratuits aussi, je précise. Oui. Voilà. Pas de quoi que ce soit. Voilà. Bon, après, une personne peut donner un don si elle veut, mais c'est pas une obligation. Ce sont des groupes gratuits. Ça fonctionne à la base par le cœur. Voilà. Merci pour cette dernière précision que j'ai appris depuis si longtemps. Avec un vieil ami magnétiseur, belle émission, merci, et c'est signé Cataclic. Voilà, comme ça tous les messages auront été lus. Okay. Bonsoir Jean-François, bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs. Une fois n'est pas coutume, je vais te laisser le mot de la fin, Jean-François. Bien. Bonsoir à toi, j'ai hâte déjà de nous avoir fait passer ce moment ensemble. J'espère qu'on a apporté beaucoup, tout au moins un peu à des personnes. Et c'est le principal, et puis on a passé un bon moment, donc je souhaite une bonne soirée à tout le monde, et puis bon, on va continuer, de toute façon, ça va continuer dès ce soir, demain, et puis voilà, on va continuer les coupures, toujours apprendre, toujours continuer à pas développer, c'est pas le bon terme, mais à faire de notre mieux, voilà, c'est le principal, faire de notre mieux, c'est, voilà, ce qui n'empêche pas qu'il faut garder notre ouverture d'esprit. À bientôt. Salut Jean-François. Au revoir, merci beaucoup.